mon gars, je les ai niqués. Je les ai niqués, bordel de cul. Tu vois, tous les efforts finissent par être payés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tous les efforts finissent par être payés. Ça veut dire que je l'ai fait au moins 100 000 fois pour passer le mode difficile, le mode hard avec Bison. Les efforts ont fini par être récompensés. Voilà, il y a quand même une putain de justice dans ce bas monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir... Donc j'ai gagné de la monnaie, j'ai gagné un trophée, j'ai gagné mes tenues. Donc la fight monnaie, je sais pas. Tout à l'heure, j'étais à combien je crois que j'ai dû gagner 20 000 fight monnaie, entre 20 000 et 30 000. Non, bah, tu sais quoi, on va aller voir dans le journal. J'ai atteint le niveau 28, j'ai reçu 2 000 d'XP. Et 10 000 fight monnaie, non? C'est ça? 10 000 plus... Attends, on est le 23, là. Ouais, donc 13 000 fight monnaie. C'est tout! Oh, vous êtes rapide, hein, pour du hard! Faire les 50 comme ça, 13 000 fight money! Bon, c'est pas grave. On va aller directement en training. Et je vais surtout aller voir les putains de couleurs de mon Bison. Ça m'évitera d'aller les payer dans la boutique. Parce que si tu veux, si tu payes pas, si tu ne finis pas le hard, les 3 couleurs de ton personnage devra être achetées via la fight money. Ça je l'avais, non? Oh, c'est stylé! Il est là! Il est là! Il est là! Violet, putain de merde! Violet et bleu. Tu sais quoi? Je vais prendre le mien en violet. Déjà, la jaune pisse, c'est fini. Le canari, on arrêtera de se foutre la gueule de mon Bison. Ça, non. Non, ouais, je vais rester en violet. Et je vais mettre le deuxième... en bleu, histoire de voir un petit peu l'élégance, la classe et la prestance de mon Bison, tu vois. J'ai fini par l'avoir, sa couleur, voilà. C'était pas trop tôt, hein. Un combat épique. Ah. Ah ouais, il est classe, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Attends. Ah si si, il est classe. Franchement, il est classe de ouf. Surtout en violet. Putain, j'en tremble encore face à Nekali au niveau 50. Je te jure, quoi. Faut voir la classe qu'il a, quoi. Ah non, franchement, en violet et en bleu, Bison, il est là. J'en avais marre de la couleur jaune parce que il y avait pas mal de gens qui se moquaient de ma couleur jaune. Et puis aussi parce que quand j'ai vu... que le violet existait, je me suis dit, ouais, putain, je la prends en violet, c'est une de mes couleurs favorites avec le rouge et le noir. Il me la fallait, et pour ça, bah, j'ai dû saigner le mode survie. J'ai gagné que 13 000 fight money quand même, hein, ils sont rapides de ouf, hein. Attends, je vais essayer de faire un truc. Ah, ça, ça passe. Ah, c'est pas ça. Là, je vais faire un autre truc. Oh, j'aurais plus à le faire. Ah voilà, merci. Alors dis-moi, toi, tu préfères laquelle? Moi, je préfère le violet, carrément. Le bleu aussi est pas mal. Le bleu, franchement, le bleu est pas mal. Je vais quand même aller tester un truc là au niveau des persos qui me paraît bizarre. C'est que j'avais vu un mec qui était tout le temps constamment avec, tu sais, le petit truc violet qui dégage de son aura de Bison. Et quand il était en tenue bleue, et ben il avait toujours cette aura même quand il n'avait pas le V-Trigger activé. Je sais pas comment il avait fait. C'est quoi, lui je vais prendre lui. Et lui, je vais le mettre... bah, le noir, je connais, parce que c'était dans les couleurs en normal. Donc, en normal, t'avais 7, 6 et 5. Hein? Je le connais pas, celle-là. Attends, j'ai des bêtises. Ça, tu l'avais au tout début. Ensuite, t'avais ça quand tu finissais le story, il me semble. Ensuite, t'avais 3, 4, 5...
avec normalement le normal. Et 6, 7, 8, 9, 10, c'est bizarre. Bah, je vais aller tester celle-là, là. Ah non, je suis content, hein. Je voulais absolument mes couleurs, ça me faisait chier de le dépenser dans la boutique. Et bah tiens, je t'ai fini le hard, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fini. Tu vois, comme quoi, quand tu persistes... Bah non, là, il a pas son aura comme il avait. En bleu, je suis quand même moins fan qu'en violet, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais attends. En violet, il est quand même beaucoup plus classe. Ah putain, j'aurais galéré pour le passer. J'ai trouvé ma petite technique, hein. Je vais pas forcément te la dire, parce que ça veut pas dire que moi, en la faisant cette technique, tout le monde va la réussir. J'en ai quand même chié, je dois te l'avouer que j'ai quand même fait plusieurs fois pour terminer le hard. Je comprends qu'il y a des gens qui ont lâché le mode hard parce que j'étais à deux doigts de le lâcher. Mais comme je suis un persistant et un vaillant, je me suis dit c'est pas ça. Tiens, on va tester le. On va tester cette couleur de merde. Je me suis dit c'est pas ça qui va m'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui va m'arrêter. Malgré qu'ils ont fait un mode dégueulasse en survie pour décourager les gens et faire en sorte que tu payes avec ta CB. Je me suis dit hors de question que j'achète des couleurs via ma fight money. Tu comprends? Déjà qu'elle est dure à choper. Oh non, j'aime pas trop cette couleur. Je sais pas ce que t'en penses, mais la couleur bleue, je suis pas trop fan. Hein. Enfin, bleu bateau comme ça, j'aime bien. Bleu marine. Mais disons que sur Bison, bleu marine, t'as l'impression que c'est un gros nounours. Un gros nounours, tu vois. Et là, franchement, sa meilleure couleur, ouais, c'est sa meilleure couleur, c'est quand même le violet. Hein. Il y a un truc qui m'énerve, c'est que ouais, pourquoi j'arrive pas à le faire ce petit combo avec le V-Trigger. Je sais que je comprends pas. Côté là j'arrive à le faire, mais l'autre j'arrive jamais à le faire. Deux fois quart de cercle arrière après le B-trigger. Ouais, je fais toujours un petit faille. Faudrait que j'essaye de revoir mon exé. Mais là je suis pas au stick, hein. Là je suis complètement à la manette, hein. Voilà, j'ai lâché le stick. Le stick, franchement, sur Street Fighter 5 il sert à rien. L'exécution elle est simplifiée, mais vraiment je crois que c'est le premier Street Fighter où ça a été encore plus simplifié que sur Street 4. Moi qui pensais que sur Street 4 l'exé a été simplifié au maximum, bah non, le 5 c'est encore pire. Alors qu'ils ont fait des sticks Mad Cats à 250 balles pour un jeu qui a une exécution quasi bidon, franchement c'est du foutage de gueule mon gars, parce que tu vas pas acheter un stick à 250 balles pour une exécution moisie, tu comprends? N'importe qui avec une manette il te sort tous les combos. À la limite peut-être d'Alissim, c'est vrai qu'avec ses téléports et tout, peut-être qu'il est un petit peu plus chiant à gérer. Et peut-être aussi Karine qui est un petit peu chiant à gérer à l'exécution. Mais tous les autres persos ils sont gérables à la manette, hein. Faut arrêter de dire que le stick sur Street 5, tu vois. Voilà, je suis content, j'ai eu mes 4 couleurs. Franchement, j'ai pas démérité parce que j'ai refait au moins. Voilà. Par contre, 13 000 fight money pour finir un mode hard où t'as 50 combats, hein, c'est pas cher payé, hein. Moi, j'aurais préféré. Je m'attendais à entre 30 et 40 000 fight money. Même 30 et 40 000 fight money, c'est pas beaucoup pour ce mode-là. En hard. Hein. Et voilà, 13 000, ouais, ça m'étonne pas d'eux. Mais au moins, tiens, je payerai pas les couleurs. Voilà, tu vois. Bon, bah je suis content, voilà, je t'annonce la nouvelle. Découragez pas, le hard est casse-couille. Faut tout recommencer, faut refaire les 50. Mais vous allez voir qu'en persévérant, tout arrive à bout. Et c'est pareil pour tout, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a le boulot, l'argent, la monnaie, les meufs. Tu persévères, t'as ce que tu souhaites. À plus tard pour d'autres vidéos. Ciao, poto. Décourage pas. Courage.